Voilà. Je suis Eugène Green. Donc mon dernier film, c'est La religieuse portugaise. La religieuse portugaise. C'est l'histoire d'une actrice qui arrive à Lisbonne pour tourner dans un film inspiré des lettres portugaises et qui, en se promenant dans la ville, elle rencontre des gens. Et entre ces rencontres avec la ville et avec les gens, ça lui fait découvrir en fait son chemin. C'est intéressant. Et maintenant, si tu dois répéter, qu'est-ce que tu changerais dans la narration de synopsis? Je pense que je ne changerai pas grand-chose. Okay. Parce que je suis assez content de ce film. C'est mon film qui suscite le moins d'enthousiasme critique, mais c'est celui où j'ai l'impression d'être allé le plus près du but. D'accord. Et maintenant, on est où? On est dans un lieu très bizarre, quelque part entre Gijón et Madrid, mais officiellement c'est la banlieue de Gijón, et c'est une architecture qui doit dater des années 50, une architecture franquiste, donc qui est censée représenter l'Espagne éternelle triomphante, mais je trouve plus de la réalité de l'Espagne finalement au bord de la mer en centre-ville.